ne manquez plus aucune émission. Voilà. Monter à la tribune qui a été placée au centre du stade pour se monter avec de monter à la tribune qui a été placée au centre du stade pour ceux qui connaissent le temple du football congolais. Le podium se trouve juste derrière l'écran géant du stade de Mar. Sur l'avenue de Zuléry. Exactement. Donc le podium donne le dos sur l'avenue de Zuléry et le soleil nous frappe au visage. Et donc, c'est pour ceux qui connaissent le stade de Martyrs, c'est là où il y a le marquoir, en fait, le grand géant du côté de l'AS Dragon. Voilà. Exactement, voilà. Donc, c'est très clair. Donc, au milieu du stade, un podium géant qui est la réplique de celui qui avait été aménagé à l'aéroport de Ndolo est monté ici. Et c'est là, c'est de là que le Saint-Père va prendre encore une fois la parole pour s'adresser aux jeunes de la République démocratique du Congo, Urbi et Turbi. Appréciez cette image aérienne du stade de Martyrs. Voyez comment il est plein. Il n'y a aucune place vide. Mais rassurez-vous, toutes les dispositions ont été prises pour que la pelouse soit protégée. Suivant des normes, il y a des barricades un peu partout. Le Saint-Père qui est aujourd'hui à son troisième jour de visite. Et donc, le Saint-Père, avec ses 87 ans, il est jeune. Il est jeune, c'est le pape des jeunes. Mais aussi, son sourire ne le quitte pas. Il est là, il est tout heureux de rencontrer ces jeunes. Il va parler avec eux et il va encore une fois donner sa quatrième allocution. Sa quatrième allocution depuis son arrivée, la toute première, je rappelle que c'était à la présidence de la République avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les corps constitués, les diplomates et autres personnalités politiques. La deuxième prise des paroles, c'est son homélie qui est restée collée à l'évangile. Et puis l'autre prise de parole, c'est celle devant les victimes des violences de ceux qui sont venus des provinces meurtries. Et puis dans la soirée, il s'est encore exprimé, cette fois c'était devant les organisations caritatives de l'Église catholique, c'était à l'Annonciature. Et puis ici, maintenant, il parlera aux jeunes. C'est le quatrième voyage pontifical en Afrique. Mais lorsqu'on considère les trois derniers, jamais telle mobilisation n'a été constatée en Afrique. Et même lorsque l'on voit les images du pape, les dernières viennent du Canada, on n'a pas vu une telle affluence en tout cas. Clairement, c'est, on peut le dire maintenant sans peur, c'est que c'est le plus grand voyage pontifical du pape François depuis son pontificat. On sait que l'autre pape qui a été un peu la star, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'était Jean-Paul II. Lui au moins a eu le temps de sillonner, mais à son désavantage, le fait qu'il n'y avait pas autant de population. Hier, mon aîné Moussé Mediaoué disait que Kinshasa comptait en ce moment-là quelques 10 millions. Aujourd'hui, on en est autour de 25 millions d'habitants. Et donc, clairement, ça reste le plus grand périple pontifical du pape François. Et même dans l'histoire de la papauté, on peut dire aussi que ça reste l'un des voyages. C'est en trois jours, 2 millions de personnes le premier jour, 1 million de personnes à la place de Ndolo, et puis aujourd'hui plus de 100 000 personnes au stade de Martyrs. Tout ceci, on la rappelle, a été rendu possible grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très attaché aux valeurs religieuses. C'est lui qui avait adressé l'invitation au Saint-Père à l'occasion de leur deuxième rencontre seulement en l'espace d'une année. C'était le 17 janvier 2020. C'était à Vatican. Il lui avait adressé et le pape avait donné son avis, son accord pour venir
L'année qui suivit en 2021, mais pour des raisons de pandémie, ce voyage a été reprogrammé en 2022, au mois de juillet. Mais c'était avec beaucoup de regrets que le Saint-Père était obligé, malgré lui, de reporter pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, le voilà. Il est là, il est venu, il est tout heureux, il ne cesse de le dire et il l'exprime. Son sourire ne le quitte pas. Il est heureux de rencontrer cette population du Congo qui a garde toute sa ferveur. Il a dit tout ce qui vous reste, c'est l'espoir. Vous devez garder espoir, ce sont ses propres termes. Parce qu'avec le plaidoyer qu'il a fait hier, nous pensons que tous ces pays voisins qui se sont donnés dans la prédation doivent se retirer de la République démocratique du Congo. C'est le retirez-vous, c'est le terme, hein, c'est le terme, nous devons désormais l'utiliser. Rwandais, Ougandais, retirez-vous de la République démocratique du Congo. C'est la parole du Saint-Père. Tous les prédateurs, toutes les multinationales, tous ceux qui viennent pour piller les richesses de la République démocratique du Congo doivent se retirer parce que cette population doit vivre dans la paix et la quiétude et cette population doit profiter de richesses de son sol et de son sous-sol. Voilà Guy Matundu, c'est le moment, l'un des moments les plus attendus. La Papa Mobile vient donc de terminer le tour ici au Stade des Martyrs. Le Saint-Père va descendre de sa Papa Mobile pour prendre la place devant l'estrade où on voit des évêques. Tous les évêques seront autour de lui, un peu comme Andolo. Ils seront autour de lui et lui sera au milieu parmi eux et va devoir s'adresser à cette jeunesse. Voilà un autre jeune, il est ministre de la Communication. Lui également est avec nous depuis le début. Hein. Il faut le saluer, il ne va jamais chez lui avant 2h du matin. Il veut s'assurer que tous les petits détails sont bien réglés, sont bien en place pour que rien ne gâche. Il a organisé une émission, c'était à 1h30. Donc comme vous le dites, il ne dort pas avec. En fait, je voulais replacer le contexte de la rencontre des papes avec les jeunes. En fait, cela remonte, il est dans la vision, dans la droite ligne de son prédécesseur Jean-Paul II, qui a institué, vous l'avez rappelé hier, Giscard Kousséma, les JMJ, le Journée Mondiale de la Jeunesse. Eh bien, cette année, les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu au mois de juillet à Lisbonne, au Portugal. Et en 2019, c'était à Panama. En 2016, c'était à Cracovie. Moussemé, cette ville vous rappelle quelque chose, Cracovie. Alors, nous avons un regard vers la Papa Mobile. Voilà, le Saint-Père vient de prendre le couloir qui va l'amener directement. C'est des images que vous ne voyez pas. Hein. Nous, on le voit. Il est en train de monter et dans 30 secondes exactement, vous allez le voir apparaître. Tout est chronométré par la diplomatie vaticane et la présidence de la République. Je disais que ce qui vient de se passer, fin de la République démocratique du Congo, un candidat sérieux pour les JMJ, les Journées mondiales de jeunesse, un rendez-vous mondial des jeunes. Et d'ailleurs, le choix d'Indolo a été calqué sur le modèle de Madrid. Parce qu'à Madrid, c'est dans un aéroport militaire qu'ont eu lieu les JMJ et la RDC a copié les mêmes modèles, a fait de même pour Ndolo. Et donc, si Ndolo a réussi, et le Stade des Martyrs, donc on peut penser que la République démocratique du Congo est un candidat sérieux pour les JMJ. Mais alors, cette fois-là... Surtout que ces JMJ n'ont jamais été organisés en Afrique. Voilà, il faudra trouver un autre endroit parce qu'au-delà des jeunes Congolais eux-mêmes, il y aura ceux des autres pays. Imaginez tous les jeunes du monde au Congo. Sincèrement, nous pensons que ça sera un grand défi. Voilà, le Saint-Père est là, il vient d'arriver. Et on va chanter l'hymne parce qu'il est là. On va le voir tout à l'heure. Il est en train de prendre place. Et après, l'hymne va devoir s'adresser aux jeunes. Ok, voilà. Merci.
Badeko, Badeko, Toso Madame. Badeko, Badeko, Toso Madame. Merci. Merci, merci, merci pour notre présence. Merci, merci, merci pour notre présence. Merci, Valérie Gallo, bravo. On est là pour la bataille. Merci. Merci. Topa da Kimia, Topa da Kimia, Milulu, Eliké Manda, Tozali Ogambo, Esika, Pop François Zali, Elumo, Natata Cardinal, Fridolin, Amoureux. Topa da Kimia. En ma qualité de président de la commission épiscopale pour l'apostolat de laïc au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, je voudrais vous remercier très cordialement pour votre visite pastorale dans notre pays. Spécialement pour votre présence en ce stade, autour de votre sainteté, je retrouve les représentants de tous les fidèles jeunes, avec leurs aumôniers et leurs catéchistes, au sein du laïcat catholique congolais. Les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église, l'aujourd'hui de Dieu. Certains parmi ces jeunes seront avec nous au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Ces jeunes sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. S'efforcent-ils de travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant des valeurs évangéliques, en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile au milieu éducatif,
l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Le corps des catéchistes est composé des jeunes et d'adultes impliqués d'une part dans l'initiation des enfants à la foi chrétienne dans nos paroisses, et d'autre part de celles et ceux qui président la communauté chrétienne locale des non-villages. Le bienheureux Isidore Bakanja, que vous avez cité, que vous comme avez modèle cité, de foi, comme modèle jeune, de foi, dans vos exhortations apostoliques, post-synodales, Christus sovit vit, Christus sovit, le patron de laïcs et des jeunes de congolais. Et des jeunes congolais. Le bienheureux est connu, le bienheureux comme catéchiste, comme catéchiste. Profiter de son temps libre, profiter de son pour temps libre à ses collègues, apprendre de service à ses collègues et à ses voisins du village, et à ses voisins du village de base, les vérités de base. Notamment la prière du chapelet, notamment la prière du chapelet. Très simple. Nous attendons avec joie, nous attendons votre exhortation, votre à l'égard de ce dernier, à l'égard de ce dernier. Je vous remercie. Je vous remercie. Il est en Zolo, Beto Monaka. Bilenge Boboto, Bilenge Boboto, Bondeko, Bondeko. Notre pape François, notre pape Kwisa François, Yambote, Kwisa Yambote, Elamu, Boyei Elamu, Karibu Kwetu, Jifika Jilenga, bienvenue chez vous. Grande notre joie, grande notre joie de vous voir parmi nous avec très cher Saint-Père. Très cher Saint-Père, nous manquons de paix. Nous manquons de paix. Comme vous le savez, comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo avec des conséquences néfastes, avec des conséquences néfastes. Sur et notre formation à la vie et notre et éducation à la vie beaucoup et à la foi sont enrôlés de force, sont enrôlés de force dans les pays, dans le trou. De nombreux dans jeunes les pays vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme, dans l'indifférence et dans l'égoïsme et programme pour leur propre et programme pour leur propre ils ne sont profit. Pas moins nombreux. Ils ne sont ceux pas moins nombreux à la sorcellerie, ceux qui croient encore et à la sorcellerie fétichisme et en recours dans le fétichisme et de dans le moment difficile beaucoup et de personnes sont beaucoup de personnes de la haine, sont victimes de la division, de la haine, même tribale et de la division même le système tribale. De dot le système de dot de devenir parfois de devenir une sorte d'achat pour de femme économique pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être de jeunes connectés aux valeurs humaines de chrétiens, mais le réseau social des Orients. Très cher Saint-Père, au monde, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne nous information. Bâtir un monde nous voulons bâtir un monde meilleur. La crise sociale, mais la crise politico-économique nous déstabilise. Nous voulons nous travailler. Jeunes. Nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Auprès des dirigeants insister auprès des dirigeants du monde, des dirigeants du Congo, auprès des dirigeants du Congo, réellement qu'ils sont des jeunes, réellement des jeunes. Nous voulons bâtir,
Nous voulons bâtir notre société, notre Église et notre société congolaise et dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche exclusive de l'intérêt personnel au détriment de son Dieu. Nous croyons en Dieu, mais laissez-nous vous avouer, très cher Saint-Père, que l'esprit du monde nous cherchons à nous engager, nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, de la vie du mariage, de la vie sacerdotale. De bons chrétiens et de bons citoyens. Vive le pape! Vive le pape! Vive le pape! Vive le pape! Merci. Très saint Père François, nous, catéchistes de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers en ce jour de vous exprimer notre gratitude pour l'attention manifestée à notre endroit
par cette rencontre. Certes, la catéchèse a toujours été considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales. Notre joie est d'autant plus grande qu'après une année de publication de votre lettre apostolique Anticum Ministerium, instituant le ministère laïque du catéchiste, c'est tout le travail du catéchiste qui est encore mis en exergue et honoré dans l'Église. En Afrique, et donc même dans notre pays, la vie des foi se transmet ou se bloque en grande partie selon les témoignages, le zèle et la préparation des catéchistes. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable économiquement d'offrir cette contribution, l'exode de jeunes et adultes vers le sensationnel et la vie facile, la conjoncture socio-économique difficile, la montée en puissance de nouvelles communautés religieuses et des religions qui prêchent la haine. Devant ces défis, nous faisons notre travail avec ferveur, ardeur et abnégation. Dans certaines régions isolées, c'est nous qui portons la responsabilité quotidienne des communautés de foi. À travers le sacrement de l'initiation chrétienne, nous donnons notre vie pour que l'Église ait de nouveaux fils et filles capables de vivre pleinement leur foi catholique et la défendre. C'est pourquoi les évêques de nos différents diocèses organisent chaque année une catéchèse publique au cours de laquelle ils exhortent et encouragent les catéchistes à tenir bon dans l'exercice de leurs tâches. Nous souhaitons que soit prise en compte votre souci de marcher ensemble dans une église synodale. Nous souhaitons que les catéchistes soient toujours plus conscients de la portée de leurs responsabilités dans l'annonce de l'espérance et qu'ils s'engagent à l'accompagner par le témoignage d'une vie toujours plus fidèle. Dans l'Église, la catéchèse est l'affaire de tous et de chacun. Comme nous disons chez nous, la catéchèse et l'Église famille, que par l'intercession de la Vierge Marie, mère de prédilection des catéchistes, notre mission soit à jamais bénie. Je vous remercie.
Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles. Je suis heureux de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir salué et béni, alors que vos mains levées vers le ciel faisaient la fête. Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais vos mains. Ouvrez les paumes de vos mains, fixez-les des yeux. Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società e del suo grande paese. Fratello, sorella, le tue mani ti sembrano piccole, ti sembrano deboli, vuote e inadattate per compiti così grandi. È vero. Vorrei farti notare una cosa. Tutte le mani sono simili. Tutti sono simili. Ma nessuna è uguale all'altra. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Chiediti allora, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors, à quoi servent mes mains? À construire ou à détruire? À donner ou à amasser? À aimer ou à haïr? Vuoi? Puoi stringere la mano e chiuderla. Diventa un pugno. O puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer. Elle devient un point. Ou bien tu peux l'ouvrir et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, occhiusa
o aperta, la scelta fondamentale fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Cela que se situe le choix fondamental depuis les temps anciens, depuis Abel qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère et le tua. Et tu, que sogni un futuro diverso dalle tue mani, nasce il domani. Dalle tue mani nasce il domani. Dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeune qui rêve d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro. 5 che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo, fallisce miseramente. È come un albero sradicato. Anche se grande e robusto, non si regge in piedi da solo. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo in ossigeno vitale. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental, parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants, et lorsque quelqu'un croit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima. È umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto, ricordandosi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et sait lever le regard vers le haut,
se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano, di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te, Gesù ti ama e sempre. Guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per lui. E puoi affidargli, gettandoli sulla croce, le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerà. L'ho fatto già 2000 anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères, sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tournez pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere tra le mani il crocifisso e stringerlo al petto, di piangere le tue lacrime su Gesù e non dimenticarti di guardare il suo volto, il volto di un Dio giovane, vivo, risorto. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il ponte verso la resurrezione. Allora alza ogni giorno le mani a Lui, per lodarlo e benedirlo. Gridagli le speranze del tuo cuore, confidagli i segreti più intimi della tua vita, la persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontagli, parla con Gesù, raccontagli del tuo quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici del collegio, del tuo paese. Alors, n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers lui pour le louer et le bénir. Crie vers lui les espérances de ton cœur. Confie-lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parle-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues, de ton pays. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nelle pieghe della vita in un modo speciale, di venire con la sua forza di pace. Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete chi è? È lo Spirito Santo, colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che ci sia. Ti trasmette il conforto
ti trasmette la speranza di Dio, ti apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere le paure. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano il proprio futuro. Vi domando, credete questo? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come acqua dell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna di viaggio ogni giorno? Dieu aime cette prière vivante, concrète, faite avec le cœur. Elle lui permet d'intervenir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force de paix, qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint, celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix. Il est la véritable force de la paix. C'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit. Elle te transmet le réconfort et l'espérance des dieux. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs. Oui, celui qui surmonte la peur et prend son avenir en main. Croyez-vous cela? Voulez-vous choisir la prière comme votre secret, comme l'eau de votre âme, comme la seule arme que vous devez porter sur vous, comme votre compagne quotidienne de voyage? Primo dito il pollice, preghiera. Ora guardiamo al secondo dito, l'indice. Con esso indichiamo qualcosa agli altri. Dai, dai. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Gli altri, la comunità. Ecco il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e dalla chiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perché la comunità è la vita per stare bene con se stessi, per essere fedeli alla propria chiamata. Invece, le scelte individualiste all'inizio sembrano allettanti, ma poi lasciano solo un grande vuoto dentro. Les autres, la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux. Car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ils ne laissent ensuite qu'un grand vide intérieur. Per esempio, pensate alla droga. Ti nascondi dagli altri, della vita vera, per sentirti onnipotente e alla fine ti ritrovi privo di tutto. Ma pensate anche alla dipendenza dall'occultismo e dalla stregoneria che rinchiudono nei morsi della paura, della vendetta e della rabbia. Per favore, non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, sui guadagni facili o su religiosità distorte. Pensez à la drogue. Tu te caches des autres, de la vie réelle, pour te sentir tout puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie qui enferme dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère.
Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Stai attenti. Questo dito, guardatevi dalla tentazione di puntarlo contro qualcuno, no, di escludere qualcuno, qualcun altro perché è di un'origine diversa dalla vostra, dal regionalismo, dal tribalismo, che sembrano rafforzarvi nel vostro gruppo e invece rappresentano la negazione della comunità. Sapete come succede? Prima si crede ai pregiudizi sugli altri, poi si giustifica l'odio, quindi la violenza. Alla fine si trova nel mezzo alla guerra. Ma mi domando, tu hai mai parlato con le persone di altri gruppi o sei sempre stato chiuso nel tuo? Hai mai ascoltato le storie degli altri? Ti sei avvicinato alle loro sofferenze? Certo, è più facile condannare qualcuno che capirlo, e questo succede in tutto il mondo. Ma la via che Dio indica per costruire un mondo migliore passa dall'altro, passa dall'insieme, passa dalla comunità. E fare chiesa, allargare gli orizzonti, vedere in ognuno il proprio prossimo, prendersi cura dell'altro. Vedi qualcuno solo, sofferente, trascurato, avvicinalo, non per fargli vedere quanto sei bravo, ma per donargli il tuo sorriso e offrirgli la tua amicizia. Questo è il dito. E prenez garde alla tentazione di désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme, au tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre. Mais je me demande, as-tu déjà parlé à des personnes d'autres groupes? Ou es-tu toujours resté enfermé dans le tien? As-tu jamais écouté les histoires des autres? T'es-tu approché de leurs souffrances? Bien sûr, il est plus facile de condamner quelqu'un que de le comprendre. Mais le chemin que Dieu indique pour construire un monde meilleur passe par l'autre, par l'ensemble, par la communauté. Cela sait faire église, élargir ses horizons, voir en chacun un prochain, prendre soin de l'autre. Si tu vois une personne seule, souffrante, abandonnée, approche-toi d'elle. Non pas pour lui montrer combien tu es bon, mais pour lui donner ton sourire et lui offrir ton amitié. David ha detto che voi giovani volete giustamente essere connessi agli altri, ma che i social spesso vi confondono. È vero, la virtualità non basta. Non possiamo accontentarci di interfacciarci con persone lontane o persino finte. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. È triste vedere giovani che stanno ore davanti a un telefono, dopo che si sono specchiati, li guardi in faccia e vedi che non sorridono. Lo sguardo è diventato stanco, lo sguardo è diventato annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza dell'insieme, ma insieme reale, la luce degli occhi, la gioia della condivisione. Parlare, ascoltarsi è essenziale, stare insieme è essenziale, mentre sullo schermo ciascuno cerca quello che gli interessa. Scoprite ogni giorno, cari giovani, scoprite ogni giorno la bellezza di lasciarvi stupire dagli altri, dai loro racconti, dalle loro esperienze. David,
Tu as dit que vous, les jeunes, vous voulez à juste titre être reliés aux autres, mais que les réseaux sociaux vous déroutent souvent. C'est vrai, la virtualité ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Il est triste de voir des jeunes rester pendant des heures devant un téléphone. Après qu'ils se sont vus, tu regardes leur visage et te vois qu'ils ne sourient pas. Leur regard est fatigué, ennuyé. Rien ni personne ne peut remplacer la force du fait d'être ensemble, la lumière des yeux, la joie du partage. Parler, s'écouter est essentiel. Alors que chacun cherche sur l'écran celui qui l'intéresse, découvrez chaque jour la beauté de vous laisser émerveiller par les autres, par leur histoire et leur expérience. Che loro conoscono qualche canzone per cantare si, insieme. Sì, sì, poi tu le fai cantare. Allora tu le fai cantare per insieme. Io ti dirò. Io ti dirò. Io te le dirò. Proviamo ora a toccare con mano che cosa significa fare comunità. Essayons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. State attenti. Per qualche istante, per favore, prendete per mano chi vi sta vicino, come io prendo per mano il Monsignore. Soyez attentifs. Pendant un instant, prenez, s'il vous plaît, par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentitevi un'unica chiesa, un unico popolo, presti per mano. Sentez-vous une seule église, un seul peuple. E adesso tutti insieme, presti per mano, cantiamo una canzone. Alors maintenant, tout ensemble, chantons une chanson. Boboto, Boneko, Nandingisa ya tata monsantu papa wa Roma, tolingi koyemba, poto la kisa Boneko, pebo moko. Boboto, Boboto, soki toko lingana ya solo. Tomboli maboko, soki toko lingana ya solo, alleluia. Kembo, 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 toko. Avete visto com'è bello stare in comunità? Vous avez vu combien c'est beau d'être ensemble, de faire communauté. Avete visto che bello sentirsi una sola chiesa? Avez-vous vu comment c'est beau d'être une seule église? Sentiamo che il tuo bene
dipende di quello dell'altro che viene moltiplicato dall'istante. Sentiti custodito dal fratello, custodito dalla fratella, da qualcuno che ti accetta come sei e vuole prendersi cura di te, e sentiti responsabili per gli altri, insieme, responsabili. Sentiti parte viva di una grande rete di fraternità dove ci si sostiene a vicenda e tu sei indispensabile. Sì, fratello, sorella, tu sei indispensabile, tu sei indispensabile. E tu sei responsabile anche per la tua chiesa e per il tuo paese. Tu sei indispensabile e responsabile per la tua chiesa e per il tuo paese. Tu appartieni a una storia più grande che ti chiama a essere protagonista, creatore di comunione, campione di fraternità, indomito sognatore di un mondo più unico. Sans que ton bien dépende de celui de l'autre, qu'il est multiplié par l'ensemble. Sans toi protégé par ton frère et ta sœur, par quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui veut prendre soin de toi. Et sans toi responsable des autres, membre vivant d'un grand réseau de fraternité où l'on se soutient mutuellement et où tu es indispensable. Oui, frère, sœur, tu es indispensable et responsable de ton Église et de ton pays. Tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur des communions, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Sembra una sfida difficile, non è difficile. Voi avete anche degli amici che dalle spalle del cielo vi sostengono verso questi traguardi. Sapete chi sono i vostri amici? I santi. Penso ad esempio al beato Isidoro Bacangia, alla beata Marie Clementine Anuarite, a San Chizzito e ai suoi compagni, testimoni della fede, martire, che non hai ceduto alla logica della violenza. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Toute l'Église répandue dans le monde vous soutient. Est-ce un défi difficile à relever? Oui, mais c'est un défi possible. Vous avez aussi des amis qui sont des tribunes du ciel, vous poussent vers ces objectifs. Savez-vous qui sont-ils? Les saints. Je pense par exemple au bienheureux Isidore Bacangia, à la bienheureuse Marie Clémentine en Noirite, à Saint Quisito et à ses compagnons, des témoins de la foi, des martyrs qui n'ont jamais cédé à la logique de la violence, mais qui ont confessé par leur vie la force de l'amour et du pardon. Preghiera, il pollice, comunità, secondo dito. Arriviamo al dito centrale, che si eleva al di sopra, al più alto, al di sopra degli altri, quasi a ricordarci qualcosa di imprescindibile. Prenons, nous arrivons au doigt central qui s'élève au-dessus des autres, comme pour nous rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. Sapete che ci ricorda questo dito che è più alto? Ci ricorda la onestà. Vous savez ce que nous rappelle ce doigt le plus long? Il nous rappelle l'onestà. Essere onesto significa non lasciarsi imbrigliare nei lacci della corruzione. Imparate bene queste due parole. Onestà è il contrario, corruzione. Onestà, onestà è lo contrario, è la corruzione. Dalle volte, questo non sta scritto, dalle volte
si sente dire: ma quella è una persona buona, lavora bene, sa condurre bene le cose, ma è un corrotto. Ambe cose non vanno insieme. Quelquefois on entend dire: mais c'est une personne honnête. Mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. E mi chiedo, come si sconfigge il cancro della corruzione che sembra espandersi e non fermarsi mai? Come si sconfigge? Mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. C'è gente brava, intelligente, ma è corrotta. Il y a des gens braves, intelligents, mais corrompus. Una persona corrotta è onesta o non è onesta? Une personne corrompue est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande. Je vous demande. È onesta o non è onesta? È onesta o n'est pas onesta? No. Pas corruzione. Pas de corruzione. Pas de corruzione. Tutti insieme diciamo pas de corruzione. Tous ensemble disons pas de corruzione. Lasciate vincere dal male. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît cette chanson, vous êtes brave. Adesso mi viene alla mente la testimonianza di un giovane come voi, sì. Floribert Wana Chui. Maintenant, ça me vient en esprit le témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Wana Chui. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Thank you.
Bilengesha. Sha. Tobate la kimia tolanda malongi ya mosantu papa. Kimia. Kimia toza analimemia. Tolanda malongi ya mosantu papa. Kimia. Che mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Floribel Uanaciuri. 15 anni fa, a soli 26 anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di ceneri alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato. Ma in quanto cristiano pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto dicendo no alla sporcizia della corruzione. Questo è mantenere non solo le mani pulite ma il cuore pulito. Je disais, je me souviens du témoignage d'un jeune comme vous, Floribert Bonachui. Il a été tué il y a 15 ans à Goma, alors qu'il n'avait que 26 ans, pour avoir bloqué le passage des denrées alimentaires avariées qui auraient porté atteinte à la santé des gens. Il aurait pu laisser faire, personne ne l'aurait découvert et il aurait en plus gagné. Mais en tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la corruption, à la saleté de la corruption. Adesso io vorrei dirvi una cosa importante. Maintenant, je voudrais vous demander une chose importante. State attenti. Soyez attentifs. Se qualcuno ti allungherà una busta, ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola, non farti ingannare, non lasciarti inghiottire dalla palude del male, non lasciarti vincere dal male. Vince il male con il bene. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège. Ne te laisse pas tromper, ne se laisse pas engloutir dans le marais du mal. Ma adesso stiamo finendo. Maintenant, nous sommes en train de terminer. Uno, due, tre. Adesso torniamo al quarto, quarto dito. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt. L'annulare. L'annulaire. Lì si mettono le fede nuziali. Ceux-là che sont enfilés les alliances. Ma si pensate, l'annulare è anche il dito più debole, quello che fa più fatica ad alzarsi. Ci ricorda che i grandi traguardi della vita, l'amore anzitutto, passano attraverso fragilità, fatiche e difficoltà. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passent par des fragilités, des efforts et des difficultés. Mais nelle nostre fragilità, nelle crisi che tutti abbiamo e avremo, nelle crisi, vi domando, qual è la forza che ci fa andare avanti? Il perdono, il perdono. Mais dans nos fragilités, dans les crises, quelle est la force qui nous fait avancer? Le pardon, le pardon.
perché perdonare vuol dire saper ricominciare. Parce que pardonner, c'est savoir recommencer. Perdonare non significa dimenticare il passato, significa non rassegnarsi al fatto che si ripeta. Parce que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Amici, per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono. Chers amis, pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. Adesso vi chiedo un favore. Maintenant, je vous demande une faveur. Stiamo un minuto in silenzio tutti. Restons en silence une minute, nous tous. E ognuno di noi pensi alle persone che ci hanno offeso. Et que chacun de nous pense à des personnes qui ont été offensées. E in questo silenzio, davanti a Dio, diamogli il perdono. Et dans ce silence, devant le Seigneur, nous leur accordons notre pardon. Abbiamo passato quattro ditti. Preghiera, comunità, onestà, perdono. E siamo all'ultimo, il più piccolo. Tu potresti dire, sono poca cosa, il bene che posso fare è una goccia nel mare. Ma sappiate, è proprio la piccolezza, il farsi piccoli che attira Dio. C'è una parola chiave in questo senso, servizio. Nous avons parlé des quatre doigts, prière, communauté, honnêteté. Nous sommes au dernier doigt, le plus petit. Tu pourrais dire, je suis peu de choses et le bien que je peux faire n'est qu'une goutte dans la mer. Mais c'est précisément la petitesse, le fait de se faire petit qui attire Dieu. Sapete una cosa? Questa è una regola di vita per ognuno di noi. Ascoltatela bene. Chi serve si fa piccolo. Sachez une chose, et c'est ça la règle de vie pour chacun de nous. Chi serve se fait petit. Cari amici, stiamo per finire. Vi ho lasciato cinque consigli e cinque dita per individuare delle priorità tra le tante voci suadenti che circolano. Andare avanti con coraggio. E vorrei dirvi un'ultima cosa. Non scoraggiatevi mai. Mes amis, je vous ai laissé cinq conseils pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Je voudrais vous dire une dernière chose. Ne vous découragez jamais. Non scoraggiatevi mai. Ne vous découragez jamais. Et quand vous avez tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. E quando vous serez découragé, prenez l'Evangile, regardez Gesù, il vous donnerà la forza. Merci bien pour notre rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour moi, je prierai pour vous.
la radio dei leoni era questa. Adesso in silenzio vi darò la benedizione e dirò a Gesù il Signore che venga su ognuno di voi e vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Le secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bapanya luzolo seleka a beto kele na stade de martyrs santo papa me katuka na kutendudila beto mambu ya mfunu seleka ina ke ya mbote vraiment na kati ya luzingu ya beto ina beto fana sadila beto fana zabati na kati ya mambu ya mtini na mtini na beto fana sadila na kati ya luzingu ya beto samya sadila beto beto zinga mbote ani memonisa misapitano ani memonisa yau na musapia ya nene ina betika bokidla kale pouce ani metubila l'index ani metubila l'annulaire et puis ani metubila pe le petit doigt na kati ya musapi mosi mosi ani metubila ani mebanda ani mepesa beto samu kaba wap mutindu ya kusadila na kati ya luzingu wa beto seleka mesela benge kanga kadiambo mfunu sam na ina metuba santu papa matondo mingi santu papa metuba mambo ya mfunu mingi kama beto nunga kuyika diaka na wampangi ke landa beto na visika yonso bene kele na kenge na radio tinungemba na Congo Central na baina yonso isika bene kele beto ketuba nde papa metuba kima benu wabomave benu wabomave na kuyika neye pa peur benu wabomave benu kuditambika kima ya mfunu betu nunga kuyika na ntangu ya yoyina ambiance pila yoke kele andama papa me simbisa bantu yaka na maboko betu vana na kimvuka kimvuka ina ikele ngeti mono yene metuba ba yoke le bonso bima kulambila 5 ingredients bima kulambila samu na kuilika bima yene kele yoke le ntete bisamu 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 kuluta yoke le bisambu yoke le kimvuka yoke le inki bisambu ke kwenda katilu zingu kumosi bisambu ke kwendaka ti kutunga bwala bisambu ke kwendaka ti seleka mesela beme katuka na kutendudila beto ndambu ina meka tuka na kulandakana
kasi benu fona zabati santo papa metuba na musapia ya nene yake diambu mosi ya mfunu ina batfona kasadila yake lusambulu kanangeme kakangama na lusambulu yake sadisa samungezinga na mutinu mosi ya kuvua na pe ya mbote mpe ya zole ani tubaka yake diambu metadila kuluzingu ya nkangu kanangeke na kuzinga tangu nyoso na nkangu ngena ukondwa kuzinga nge mosi ngeke mona na ina nkangu kena kupesa ngeke sadisa nge samu nge pesa pe nge baka ngemba katikati na nge nge baka pe ngolo seleka bapangi ini ya nkaka ya tatu bapangi ya beti ya nkaka bake tupa yao tout est bien. Michel Moussemé Diawe, tout est bien qui finit bien. La catéchèse du pape aura été riche en enseignements. Dès l'entame, il demande aux jeunes d'étendre leurs mains et leur dit que c'est entre vos mains que repose l'avenir de la société congolaise. Il demande aux jeunes d'être disponibles pour l'édification du pays et d'être surtout pieux en priant cette prière vivante qui vient du cœur. Plus loin, il ajoute qu'ils ne peuvent pas s'enfermer dans la solitude et la fermeture. Ce sont les mots qui les rongent, avant d'ajouter que le tribalisme et le régionalisme sont la négation de la communauté. Il leur demande de bannir le préjugé et de s'ouvrir vers d'autres groupes. Moussemé, voilà, tout est bien qui finit bien. Un commentaire de votre part. Oui, effectivement, le Saint-Père, pour illustrer justement ce prêche, Il a parlé des cinq doigts de la main. Chaque doigt de la main a un rôle à jouer. Et si vous enlevez un doigt sur les cinq, les quatre ne vont pas bien fonctionner. Il a parlé du pouce qui a l'air d'être éloigné des autres. Mais celui qui n'a pas de pouce, il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec les quatre autres doigts. C'est vrai, il va s'adapter, mais il manquera toujours la dextérité. Qu'aurait une personne qui a les cinq doigts. Excusez-moi, il a parlé également de l'annulaire. L'annulaire qui a l'air d'un doigt faible, fragile, mais c'est à l'annulaire qu'on met la bague de l'alliance. Il a parlé également de l'auriculaire. Et les autres pourraient tenter de dire c'est un doigt de trop, c'est un doigt inutile. On peut même le couper. Excusez-nous. Mais ça fait partie de l'ambiance. Ouais, ça fait partie de l'ambiance. Et le pape a dit le petit doigt l'annulaire parce qu'il a terminé sur ça. C'est ça qui donne un surplus de dextérité aux quatre autres doigts. En fait, il voulait parler de la communauté pour dire qu'on ne peut pas avancer seul. Il faut être comme les cinq doigts de la main. Et ensemble, ça forme une main. Et il a dit aux jeunes qu'ils détiennent leur destin et leur avenir entre leurs mains. Il ne faut pas qu'ils s'agrippent sur d'autres personnes. Il faut qu'ils se disent qu'ils peuvent déterminer leur avenir. Ils peuvent déterminer leur destin. Et que donc, et pour ça, il a terminé en disant, en demandant aux jeunes de crier très haut et fort que si quelqu'un leur donne de l'argent, pour corrompre, qu'ils disent non. Et il a demandé aux jeunes de répéter non. Et je pense qu'ils l'ont fait. Je crois que nous sommes là en face d'une jeunesse qui sera formée autrement, qui pourra guider, parce qu'il a dit la jeunesse, c'est la lumière du monde. Et Dieu aime la lumière, Dieu n'aime pas les ténèbres. Abbé Bruno Lusongakyo, nous sommes en train de conclure. Un mot. Le socle de leur vie et le reste, ça ira. À être aussi des gens qui refusent la corruption, des personnes qui ont de la personnalité et qui cherchent bien sûr à faire en sorte qu'ils soient demain utiles dans la société, dans l'Église. Voilà, toutes ces recommandations, nous devons en faire le nôtre et vivre quotidiennement avec le Christ et encourager nos jeunes. Et les catéchistes ont ce rôle-là. Et dans nos prédications, dans nos réunions, dans nos commissions, eh bien, les jeunes doivent toujours chercher à être solidaires. Il y a aussi un aspect qui est très important que je vais soulever, c'est la présence de l'autre. Le pape demande à ce que les jeunes ne puissent pas se recroqueviller, qu'ils s'ouvrent aux autres.
Parce que si les jeunes pensent qu'ils sont seuls, et cette tristesse va les affecter au point qu'ils peuvent perdre le goût de la vie. Or, ils ont encore le temps de vivre et Dieu les aime tels qu'ils sont. Voilà, Guy, ce que je pourrais dire en résumé, de manière substantielle, ce qu'a été le message du pape à l'endroit des jeunes, des catéchistes et de toute la chrétienté du Congo et de Kinshasa. Alors, monsieur l'abbé, tout à l'heure, l'agenda du pape prévoit une rencontre avec vous, vous, le clergé, les religieuses et les religieuses. C'est une date, monsieur l'abbé Elvis, hautement symbolique parce que le 2 février, c'est la journée des consacrés. Tout à fait. Hautement symbolique, la journée d'aujourd'hui, Guy Matundu, c'est consacré. La journée des consacrés. Et le pape vient de la consacrer encore pour la jeunesse et pour la catéchèse. Ce qui va vraiment signifier même le travail, la mission même des consacrés. C'est une catéchèse vivante, une catéchèse aussi qui doit apporter l'unité, comme le pape l'a dit. Aucun consacré ne peut se consacrer pour rien s'il n'y a pas de catéchèse, s'il n'y a pas de jeunesse. Donc c'est une journée symboliquement très bien signée et je crois que le protocole avait bien organisé pour que ça se passe ainsi, Guy Matundu. Merci Michel Moussemé, Abbé Elvis, Abbé Bruno. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis ce temple du football national qui s'est transformé pour la circonstance en une cathédrale pour recevoir le Saint-Père, sa sainteté François, qui a fait une catéchèse pour les jeunes. Je rappelle donc, pour le contexte historique, le pape François est dans la lignée de son prédécesseur Jean-Paul II, qui a rencontré les jeunes lors de son intronisation. Et depuis, il s'est adressé aux jeunes à travers les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui curieusement a commencé en 87 à Buenos Aires, en Argentine, le pays d'origine du pape François. Et après 3 ans, le pape rencontre les jeunes. Et cette année, le pape rencontrera les jeunes à Lisbonne, au Portugal. Nous espérons que les jeunes congolais, l'étendard de la RDC sera hissé de nouveau très, très haut pour représenter la République démocratique du Congo. Il ne reste plus qu'à vous remercier infiniment de l'attention que vous avez bien voulu accorder à la télévision nationale. Rendez-vous dans quelques heures en l'église cathédrale Notre-Dame du Congo pour la rencontre avec le clergé. Merci. Merci beaucoup. Il m'a touché. Merci. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.